Parlons un peu écologie. Est-ce que nous sommes dépendants des machines? Et quel est le coût de cette dépendance? Le coût de cette dépendance, de toute dépendance d'ailleurs, c'est à la fois la cause et l'effet. C'est parce que nous sommes en une sorte de crise intérieure que nous allons vers l'extérieur. Et c'est parce que nous allons vers l'extérieur que nous perdons contact avec notre intériorité. Le problème de l'œuf et de la poule. Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière? Admettons par exemple que certaines machines ne marchent plus. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a un système auxiliaire, un système d'appoint qui permettrait de compenser une panne de quelque chose? C'est aussi le problème de ce qu'on appellerait l'enrichissement. Est-ce que nous sommes enrichis parce que nous avons plus de machines autour de nous, ou plus de personnes autour de nous? Plus de mots pour parler, etc. Ou est-ce que c'est la preuve d'une aliénation, d'une fragilité intérieure qui nous amène à faire appel à l'extérieur? On peut dire que d'une certaine manière, tout ce que nous acquérons de l'extérieur se paye au prix d'une pauvreté et d'un appauvrissement intérieur. Et inversement, quand nous avons une certaine richesse intérieure, le besoin d'un apport des éléments extérieurs décline nécessairement. Ce qui est clair, c'est que le chef, le leader, lui, il a un système qui lui permet de passer d'une dimension à l'autre. C'est-à-dire qu'il est capable, il est programmé pour à la fois tantôt dépendre des éléments extérieurs, c'est la phase de carré de Jupiter à l'ascendant, il est curieux de ce qui se passe autour. Il ne voit plus la différence entre l'extérieur et l'intérieur, en quelque sorte. Un peu comme un enfant, d'ailleurs. Et puis, à d'autres moments, au contraire, il se recentre. Et il reprend possession de sa vie intérieure, de sa vitalité intérieure.